Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo produit terminé. Donc je vais piocher au fur et à mesure et vous dire ce que je pense des produits. Donc j'ai fini, alors bon le truc est un peu plein de calcaire parce que c'était dans la douche. Le L'Oréal Ever Rich, le masque profond Nutrition Ultime. Bon, ce produit-là, je l'avais eu via Beauté Test avec le shampoing qui allait avec. Donc voilà, shampoing nutrition et réparation L'Oréal Ever Rich. Ces produits-là, celui-ci, ils sont sans sulfate. Voilà. Il y a du silicone dans le masque. Je crois pas qu'il y en ait dans le shampoing. Pas mal, mais bon, non, je rachèterai pas parce que, bon, bah, notamment, il y a des silicones dans le masque, donc je rachèterai pas pour ça. Sinon, si vous avez pas de problème avec les silicones, vous pouvez les tester. En plus, je crois qu'on les trouve en grande surface. J'ai cette petite, voilà comment elle se présente. C'est une crème pour les mains coréenne que j'avais commandée sur le site My Bébé Crème. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc en fait, il n'y a que 30 ml dedans, donc ça se finit relativement vite. Elle sentait très bon, c'est une odeur de pivoine. Donc en fait, non, je ne rachèterai pas parce que j'avais acheté uniquement pour le packaging que je trouve trop mignon. Et vu que c'est... Voilà, enfin on peut facilement remettre une crème en tube, mettre le contenu dedans pour garder le petit dauphin en fait. Donc celle-ci, non, je la rachèterai pas, mais je vais garder la petite figurine et je remettrai de la crème dedans, parce qu'à la limite, ça peut être sympa sur la table de chevet pour mettre de la crème le soir. J'ai terminé de chez L'Oréal Professionnel le Lisse Ultime. Donc c'est un sérum qui permet de lisser, enfin à utiliser avant le lissage justement, et qui protège des effets négatifs du fer à lisser ou du sèche-cheveux. Donc moi j'utilisais plus comme j'ai les cheveux relativement lisses, donc je le mettais avant de me sécher les cheveux pour les protéger. Donc c'est un produit pas mal, ça faisait très longtemps que j'avais, enfin je l'avais pas encore entamé, mais ça devait faire 2 ou 3 ans que je l'avais au fond d'un placard. Et cet hiver je me suis décidée à l'utiliser, voilà, donc j'en mettais après le shampoing quand je voulais avant de me sécher les cheveux. Bon, c'est un produit je pense qui est pas mal, après c'est pareil, c'est plein de silicone, donc voilà, comme je fais du ménage dans mes produits capillaires, j'essaie de terminer tous ceux qui contiennent du silicone, donc voilà. Ensuite, on va passer, alors en produit, je suis contente d'avoir terminé, à cette lotion tonique que j'avais mis dans mes flops. Donc c'est la marque Repère, Bionaya, donc c'est une lotion qui est certifiée bio. Par contre, alors les points faibles, alors elle sent le pec citron. Donc bon, quand vous mettez de la lotion, vous avez l'impression de faire la vaisselle, c'est pas terrible. Ensuite, elle mousse, donc je sais pas pourquoi, mais sur peau sèche et propre, quand on l'applique, ça mousse. Donc je ne sais pas, je sais pas pourquoi elle mousse, mais voilà. Donc ce produit, non, je le rachèterai pas, je suis contente de l'avoir terminé, et surtout je ne le rachèterai pas. Ensuite, notre crème pour les mains, la Handless Glove de Soap & Glory. Donc celui-là, je l'avais acheté en 50 ml quand j'étais allée à Londres, parce que je voulais pouvoir en tester plusieurs. Et en fait, ce produit-là, c'est à la fois une crème pour les mains et un masque hydratant pour les mains. Donc je l'utilisais le soir, il faut en mettre une certaine quantité. Et après, on met des gants pour laisser agir ensuite toute la nuit. Et donc, non seulement elle sent bon, mais en plus, elle hydrate bien les mains. Donc dès que j'aurai l'occasion, je la rachèterai. Alors ce qui m'a fait rire aussi, c'est la petite mention « Attention, n'y mettez pas les yeux ». C'est assez drôle. Rincez bien immédiatement à l'eau claire en cas d'égarement. Ça aussi, c'est la traduction, je pense, du mot à mot de l'anglais au français. Ça a quelques... Voilà, c'est assez drôle.
Ensuite, j'ai fini mon pot de Néné Chéri de chez Lush, donc pareil que j'ai ramené d'Angleterre. Donc, toujours aussi satisfaite de cette crème. Donc, c'est le deuxième pot que je termine. En fait, c'est le troisième, mais je vous en avais déjà parlé, je vous en avais déjà montré un. Celui-là, je le garde parce que, avec chez Lush, quand on ramène 5 pots comme ça, là, les pots noirs, on a un masque frais en cadeau. Donc, voilà. Donc, bien sûr, je rachète puisque j'en ai déjà racheté en fait. Après, j'ai terminé un échantillon de parfum, c'était Madly de Kenzo. Je suis pas fan de l'odeur. J'en ai terminé plusieurs des parfums, donc Flower by Kenzo. Donc voilà, ça c'est. Je suis en train de terminer un peu mes miniatures. Lady Million. Yop, yop. Love, etc. de chez Body Shop. Donc globalement, ces parfums-là, je les trouve sympathiques, ils sentent bon. Mais bon, comme j'en ai déjà un certain nombre, je vais pas en acheter tout de suite. Et le dernier, c'est Romance de Ralph Lauren. Celui-là m'a pas trop plu. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème. Enfin, c'est un sérum de nuit. C'est le Blue Therapy Serum in Oil de chez Biotherm. Donc, que j'avais eu sous forme de miniature de 10 ml. Donc, en fait, cette miniature, elle a dû me durer au moins 3 semaines. Donc, c'est vraiment un produit qui dure longtemps. Donc, je pense que dès que j'aurai terminé la crème de nuit que j'ai actuellement, je rachèterai ce sérum. Je trouve qu'il est efficace, il repulpe la peau le matin. C'est vraiment, on a. Voilà, il y a un effet positif sur la peau après une bonne nuit de sommeil. Donc, il y a vraiment l'effet réparation. Réparation nocturne dont il parle, effectivement, on voit le matin la peau entre les soirs où on n'a pas eu le temps d'en mettre et les soirs où on en a mis. C'est pas du tout la même peau au réveil. Dans un cas, on a la peau qui a l'air bien reposée, etc. Et dans l'autre cas, on a la peau un peu flappy, quoi. Ensuite, j'ai terminé le Pure and Natural de chez Nivea. Donc, c'est un fond de teint que ma mère m'avait donné parce qu'elle l'achète et puis finalement, elle se rend compte que le fond de teint, ça lui va pas. Donc voilà, du coup j'ai dû mettre 2 ans à le terminer. Alors ce produit, il va, je sais pas, il peluche de temps en temps, donc j'étais pas vraiment. La couleur ça allait, mais à l'application de. Pas tout le temps en plus. Donc j'imagine qu'il devait avoir une incompatibilité avec certaines crèmes de jour. Et du coup quand je le mettais, bah, j'avais l'impression d'avoir la peau qui pèle, donc bon. De toute façon, je rachèterai pas, puis de toute façon, Nivea ne commercialise plus en France de produits de maquillage. Donc la question ne se pose pas. Ensuite, j'ai fini une miniature de la marque Blanc Cachemire. C'est une crème protectrice jour. Donc celle-ci, j'ai pas aimé l'odeur et la texture pas terrible, donc je rachèterai pas. Et je vous le montre avant qu'il soit terminé. Donc ça, c'était un savon. De la marque Body Minute, un savon exfoliant. Donc j'avais eu dans une Cosmopolitan box. Donc celui-là il est pas mal. Il est assez. Comment dirais-je? Il exfolie fortement la peau. Donc je l'utilisais principalement sur les cuisses et les fesses. Et après je frottais sur la fleur de douche pour le reste du corps parce que sinon c'était trop fort pour le reste du corps. Donc voilà, celui-ci, est-ce que j'en rachèterai? Non, parce que je suis pas fan des savons, je trouve que la peau est quand même après usage, elle est vachement sèche, il faut forcément mettre un hydratant, sinon ça tiraille, donc non, je rachèterai pas. Donc voilà, c'était les produits que j'ai terminés ce mois-ci. En ce moment, j'essaie d'utiliser pas mal mes miniatures, notamment de parfums et puis toutes celles que j'ai eues dans les box pour éliminer tout ça. J'essaierai de vous en faire une le mois prochain, mais là, j'ai terminé pas mal de trucs ces derniers temps. Du coup, j'ai entamé de nouveaux produits et ça m'étonnerait qu'ils soient finis avant un certain temps. Mais bon, je verrai. Donc, je sais pas si vous avez l'occasion de tester ces produits. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous avez des produits à me conseiller aussi, notamment. Je sais pas, des produits sans silicone, des produits naturels, puisque je suis en train d'un peu de m'orienter vers ça. Bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.